Ah, pour ce qui est de m'agrandir, t'affoles pas, hein, c'est pas encore fait. Je vais aller voir le gars à Monaco, puis ben, on verra bien. De toute façon, je serai de retour pour l'heure de la graine. Qu'est-ce que je te prépare? Quelque chose de gentil sur ta terrasse, là, avec tes petites loupiottes. Ah, je vois, tu seras deux. Oui. Toujours ta fausse blonde, tu es routinier. Pourquoi? Elle est pas mignonne, Vicky? Toujours bien sapée, bonne pince, je téléphone et elle radine. T'en connais beaucoup des frangines comme ça, toi? Qui rabattent sur un coup de téléphone? Je connais que ça. À l'œil, évidemment, c'est autre chose. Tiens. Ah, tiens. Tu le veux pour quelle heure, ton petit tête-à-tête? Je dis vers 10 h. Bien, monsieur. Les remarques seront là. Le chambre sera au frais. J'espère que tu ne nous feras pas un petit scandale comme l'autre fois. Quel scandale? Je suis pas client autoritaire, moi. Quand c'est bon, je dis jamais rien. Oui, mais avec toi, c'est jamais bon. Ah, ça.